Le programme de coopération Sud-Sud pour le développement durable entre le Bénin, le Bhoutan et le Costa Rica, trois pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, est un programme élaboré par le Royaume des Pays-Bas qui a cru depuis plusieurs années déjà en la nécessité de développer entre les pays du Sud des mécanismes de coopération qui leur sont propres et qui favorisent le développement durable. Depuis, des progrès significatifs ont été notés, notamment en matière de promotion des énergies renouvelables, de propositions concrètes pour la lutte contre le changement climatique, mais beaucoup de défis restent à relever. À cet égard, le mandat stratégique du programme de coopération Sud-Sud, le PSC, est déterminant en ce sens qu'il contribue aux recherches sur l'interaction entre la cohésion sociale et le développement durable et la promotion des projets bi- ou trilatéraux à même d'influencer positivement le développement durable. La présente session du comité conjoint permettra notamment de passer en la situation du programme depuis la session de novembre 2007. L'examen du rapport d'évaluation à mi-parcours qui vient d'être rédigé par des consultants indépendants nous permettra de dégager les principaux enseignements découlant de l'exécution. Les travaux de cette deuxième session de l'organe de décision du comité conjoint d'administration du programme de coopération Sud-Sud pour le développement durable entre le Bénin, le Bhoutan et le Costa Rica, ouverts ce jeudi matin au Novotel de Cotonou, vont également se pencher sur les perspectives pour une deuxième phase de programme. Une seconde phase qui devra davantage mettre l'accent sur l'épineuse préoccupation des changements climatiques et ses conséquences sur le développement des trois pays. On effectivement prépare à l'ouverture de cette deuxième session du comité conjoint d'administration du programme Sud-Sud de coopération, le président de la Commission nationale pour le bonheur partagé du Bhoutan, Karma Titen, le ministre du Plan et de l'Économie du Costa Rica, Roberto Gallardo, l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin, Wouter Plon, et le ministre béninois de la Prospective et du Développement, Pascal Irénée Koupaki.